tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une revue sur le site Glossy Event avec qui j'ai fait un partenariat en commandant une belle box à 5 produits à 15 euros. Et normalement, ça me serait revenu à 22,60 si je ne les aurais pas commandés dans le partenariat de YouTube ou pour les blogueuses. Alors, je vais vous dire vraiment ce que j'en pense, hein. J'ai toujours dit ce que j'en pense, de toute façon j'ai payé ma box, hein, et même si je ne l'aurais pas payé, je vous aurais dit ce que j'en pense. Déjà, dans un premier temps, la marque Belle, je la connais par rapport à un autre site qui s'appelait Maquillage et Bijoux. Et la personne arrête, donc voilà, donc elle arrête son site. Et là, quand j'ai entendu que Glossy Event, c'est un nouveau site qui arrive, donc... A besoin d'un petit coup de pouce aussi hein, pour que ils se fassent connaître. Donc ils ont sorti le pack YouTube et blog et pour les blogueuses. Donc je me suis dit ma foi, pourquoi pas. J'ai eu ma copine Nat qui a fait la même chose que moi et donc c'est elle qui m'avait dit tiens il y a un nouveau site, ils font des packs pour les youtubeuses donc vas-y fonce, tu vas voir. Surtout que moi je connaissais la marque Belle. Alors on va commencer par les points négatifs. Donc, dans un premier temps, quand j'ai passé ma commande, je l'ai passée le lendemain de ma copine. Elle l'a reçue direct. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Elle a commandé, elle l'a reçue le lendemain. J'arrivais même pas à y croire. Moi, ça a mis au moins 5 jours. Ils m'ont quand même envoyé un email en me disant on est désolé, il y a du retard. Bon, ce que je peux arriver aussi à comprendre parce qu'ils débutent leur site, hein, tout se met en route et tout, hein, on a toujours des problèmes, donc ça c'est un peu normal. Par contre, là où j'ai été un petit peu surprise, c'est au niveau de l'emballage. Quand j'ai ouvert au début, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'ai rien commandé, qui c'est qui m'envoie un colis? Du coup, dans du papier bulle. Et quand j'ai ouvert, donc j'ai eu ça avec une lettre. Donc voilà. Donc du coup, j'ai pas tout de suite regardé au niveau colis. Donc j'ai quand même ouvert mon truc et après, j'ai dit oui, j'ai compris. Alors, l'enveloppe bulle, pour l'avoir déjà fait, pour avoir déjà reçu des choses cassées, et moi j'ai déjà envoyé des choses qui ont été cassées, même enveloppées, franchement j'ai trop eu peur à ma commande, surtout que c'est du carton, c'est pas rigide, et vous voyez, c'est comme ça, c'était pas enveloppé dans du papier bulle. Alors j'aurais préféré quand même, Natel, ça arrivait dans un carton, alors que ça arrive dans un carton, bon, carton c'est plus solide, il n'y a pas de souci, mais dans une enveloppe de papier bulle, il aurait pu se passer n'importe quoi. Après, je me suis dit, le support, je vais être honnête, hein, ne me plaît pas. J'aurais préféré avoir, je sais qu'ils vendent des supports Belle, donc pour mettre les produits dedans, ça aurait été beaucoup plus sympa, enveloppé dans du papier bulle. Là, j'ai vraiment eu l'impression que c'était fait à la va-vite. Alors, je me trompe peut-être, hein, mais ça a été la deuxième déception. L'attente de mon colis, ouvrir mon colis. Et la troisième déception, c'est que... Ma copine, elle a eu le choix, elle, de choisir les produits qu'elle a voulu. Moi, quand j'ai essayé déjà à la base, ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai beaucoup dialogué par mail avec la personne du site. C'était Tiffany. Voilà. Et c'est vrai qu'elle était très charmante. Ça allait très vite dans ses réponses. J'ai passé donc commande pour avoir ma belle box quoi. Mais le problème, elle, Nat, elle a choisi ce qu'elle a voulu. Moi, j'avais rempli quand même mon questionnaire, j'avais rempli ce que je souhaitais parce que je connais les produits Belle et j'avais trop peur qu'ils m'envoient des produits que je connaissais déjà. Et bingo, je suis tombée dedans. Donc en fait, j'ai un peu les boules quoi. Je me suis dit mince, là, je fais pas une autre découverte de certains produits. Surtout, j'avais rempli un formulaire. Donc là, c'est le troisième point négatif. Voilà. Ensuite, au niveau point négatif, ça va s'arrêter là parce que ça a été vraiment les trois premières choses qui m'ont un peu bousculé, on va dire. La chose positive que j'ai appréciée quand même dans l'envoi du colis, c'est qu'on a quand même une petite lettre hein, qui change habituellement. Et là, on nous appelle par notre prénom. Bonjour Sandrine. Et on rappelle Sandrine dans la lettre. Ça, j'ai vraiment apprécié. Ça veut dire que Tiffany et Carole, ils sont quand même proches de leur partenaire, enfin même de leurs clientes. Je ne sais pas comment ça se passait avec les clientes, mais déjà rien que leur partenaire.
Et elle nous appelle par nos prénoms. Ça, j'ai quand même apprécié. Je trouve que c'est quand même un geste commercial, comme dans l'envoi des emails, où Tiffany a été vraiment géniale. Et super, super ingrat. Bon, petit bémol, quoi, c'est ce que je vous ai dit avant. Alors, maintenant, pour faire connaissance avec les produits que j'ai reçus, donc je vous dis 5 produits, 15 euros. Bon, ben, je connais certaines choses, hein, donc. Tant pis. Je vais quand même vous les présenter. Alors, j'ai reçu le dissolvant Freesia Nail que je connais. Donc, j'ai enlevé mon ancien vernis pour vous montrer. Voilà, j'ai utilisé un seul coton. Je l'aime bien. Il sent bon. La première fois que je l'ai utilisé avant avec un autre site, j'ai eu du mal. Et en fait, pas du tout. Il sent vraiment super bon. Faut attendre au début, on a vraiment l'odeur dissolvant. Et après, il sent super bon. Ce que j'ai bien aimé, c'est que comme sur l'autre site, ils développent. Hein, ils ne mettent pas que le dissolvant le prix. Ils vont quand même expliquer ce que le dissolvant va apporter. Donc là, il va lustrer les ongles, il va apporter l'élasticité. Il va favoriser la repousse de l'ongle et la solidité de l'ongle. Il va réhydrater et améliorer l'état des ongles et des cuticules. Donc c'est un format de 100 ml. Voilà. Et il fait 3 euros. Donc je vous remonte, je vous dis mon coton. J'ai utilisé qu'un coton pour les deux mains, franchement. Donc pour vous dire au niveau de la qualité du vernis pour enlever. C'était un vernis marron foncé épais en plus. Hein. Donc pas de souci. Ensuite, j'ai eu. Alors là, je le connaissais, mais d'une autre couleur. Le vernis que je porte, justement, je l'ai mis exprès pour vous montrer. C'est le 411 Glam Wear, dans la collection Glam Wear. Je les aime beaucoup, ces vernis-là. J'en ai d'autres couleurs. Donc voilà ce que ça peut donner. Alors, la première couche, elle est un peu en transparente. Et la deuxième couche, alors là, c'est hallucinant. Vous avez tout de suite tout recouvert. C'est génial. Et je vous ai fait un test. Voilà. Ça, mon kiki, là, il n'a qu'une couche. Donc on voit mon ongle blanc en dessous. Et juste à côté, regardez la différence, il y a deux couches. Le pinceau, il est juste ce qu'il faut. J'adore. Il est quand même assez gros. J'aime bien. Et cette couleur-là, elle est vraiment tip-top. Elle est géniale. Même en hiver, on peut porter ça avec habillé en jean ou autre. Hein, je veux dire, moi, je me mets du vernis de couleur, même l'hiver. Enfin, c'est tellement triste l'hiver que. Alors, au niveau du vernis, il vaut 3,50 € si je ne me trompe pas. 3,50 €, il y a bien sûr plusieurs teintes. Alors, il y a un plastifiant spécial dedans qui assure une application uniforme, sans défaut, une adhérence aux ongles parfaite. Pour l'avoir testé, c'est vrai. Un séchage ultra rapide, une couvrance souple, résistible aux casses des ongles. Pardon, caresse. C'est vrai aussi. Les composants uniques garantissent une couvrance idéale dès le premier passage. Alors, je vous ai montré, bon, on voit quand même mon ongle en dessous, mais il y a quand même une couvrance. Vous voyez la différence? Mais c'est une couleur, mais c'est une tuerie ce bleu, j'adore. Une longue tenue, une résistance à l'eau. Donc ça, je vous en reparlerai parce que là, je l'ai appliqué. Donc je vais voir comment il va résister au niveau de mes ongles. Plus besoin d'un top coat brillant grâce à son effet gloss. Il apporte aux ongles une touche mouillée. Et c'est effectivement vrai, il brille. Je n'ai rien mis dessus. Il a une brillance, c'est vraiment super. Ne contient pas de composants nocifs comme le toluène, le formaldéhyde ou le camphre. Alors ça c'est génial parce que je vous ai fait une revue sur les vernis, donc vraiment super. Son pinceau plat permet de bien étaler le vernis même sur les ongles larges et ne laisse aucun défaut. Vrai. Pour moi, ça c'est une tuerie. J'adore, 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 j'adore. Et je pense que je recommanderais d'autres couleurs. J'aime beaucoup. J'en ai un rose pâle aussi. Il me semble bien, ouais. J'aime beaucoup. Voilà. Donc je vous ai dit qu'il était à 3,50 €. Ensuite, j'avais quoi? Donc j'avais. Alors là, j'ai pas trop bien.
pas trop aimé. Alors, je ne l'ai pas testé, mais rien que la petite chose, quand je l'ai vue dans mon paquet, j'ai pas aimé. Donc, c'est un correcteur antibactérien. Voilà, donc il en existe trois sur leur site. Donc, ils sont enrichis en huile essentielle d'arbre à thé. Donc, ça, vous connaissez, hein, qui possède des qualités anti-inflammatoires qui est facilement proposée pour les peaux acnéiques. Je n'ai pas de peau acnéique, donc qu'est-ce que je vais en faire? J'ai très rarement de boutons. Donc après, alors j'ai la teinte 2. La teinte 1, c'est le clair qui estompe les zones d'ombre autour des yeux. Bah, j'aurais peut-être plus préféré, parce que vous voyez là, donc j'ai juste du récif, je suis pas maquillée. Hein. Le beige dissimule les petits défauts, donc j'ai pas de boutons. Et le vert camoufle les rougeurs et la décoloration de la peau. Donc ce produit est à 4 euros. Donc voilà comment il se présente. C'est un stylo. Je vais vous faire un swatch. Et je peux même pas le mettre en anti-cerne parce que comme il est assez épais et c'est un correcteur camouflant, ça va filer dans les plis. Donc je pense que je vais le donner à quelqu'un qui a des problèmes de peau pour qu'elle essaye pour camoufler au niveau des boutons. Donc voilà, ben, notre déception, quoi. Dissolvant, ça. Bon. Ensuite, j'ai reçu, ben là j'étais aussi déçue, parce que je connais cette gamme-là. Je vous la montre, j'ai déjà. Bon, là, c'est une autre teinte. C'est la teinte 40, donc dans la gamme Glam Sexy. Leur packaging, par contre, il est sympa. J'aime beaucoup avec les petites arabesques. Super sympa. Voilà la teinte. Hop. Je vais vous faire un swatch. C'est un. On va dire un vieux rose. Vieux rose orangé. Alors, ces rouges à lèvres là, ils font effet gloss, ils sont très brillants, vous voyez comment ça brille, ils font un effet gloss. Je vais vous en parler tout de suite. Voilà, et celui-là que j'ai, je vais vous le montrer. Lui, je l'aime beaucoup d'ailleurs, il est usé quand même, il commence. Celui-ci, c'est la teinte 45. Ouais, ils ont vraiment un effet gloss. Ils ne dessèchent pas les lèvres du tout. Ils sentent super bon. Ils ont une superbe odeur. Vraiment génial. Alors, je vous en parle tout de suite. Donc, il vaut 4,10 €. Donc, ce rouge à lèvres possède un complexe actif qui favorise la production de collagène et d'élastine de l'épiderme. La composition des rouges à lèvres est enrichie d'éléments soigneusement sélectionnés qui éclaircissent et adoucissent la texture des lèvres. Sa formule gélifiée laisse sur les lèvres une fine couche pulpeuse et lumineuse aux couleurs subtiles donnant une brillance intense. Ça, c'est vrai. Sa teneur en vitamine E, aux propriétés hydratantes et anti-vieillissement, en vitamine C qui adoucit les lèvres, lutte contre le dessèchement de l'épiderme. C'est vrai que moi, il ne me dessèche pas du tout les lèvres. Le rouge à lèvres Glam et Sexy bénéficie d'une formule de nouvelle génération pour une longue tenue de la couleur, un gloss intense et délicat. Effectivement, on retrouve un rouge à lèvres et en même temps un gloss dedans. Et c'est ça que j'ai vraiment apprécié dans cette gamme-là, rouge à lèvres Glam et Sexy, c'est qu'il faut rouge à lèvres et gloss. Son goût est légèrement sucré avec un agréable parfum de framboise. Et ça, c'est vrai, il sent merveilleusement bon. C'est ce qui m'avait fait aussi flasher, c'est qu'il sent vraiment très bon et le packaging est plutôt assez sympa. Alors ma déception, c'est pas le produit hein, du tout, c'est que ben j'en ai déjà, j'aurais voulu connaître l'autre gamme de rouge à lèvres qu'ils ont. Je me souviens plus comment elle s'appelle, mais l'autre gamme, je ne connaissais pas du tout, donc ça aurait été sympa. Voilà. Et mon dernier produit, où enfin j'ai été contente parce que lui, puis les couleurs, j'aurais voulu le commander et je l'ai eu. C'est un fard ombre à paupières Fashion Color. On retrouve 4 fards et une base qui se présente comme ceci. On va l'ouvrir. Vous avez 4 couleurs et une base qui se trouve au milieu. Ce sont des couleurs, là on ne voit pas trop bien la cam, des couleurs, vous avez verte, ici c'est un vert canard. Là vous avez un kaki pailleté. Là, vous avez un peu un vernis. Et là, on va dire
Un clair, marron très très clair, comme un neutre, quoi. Qui peut servir en estompage aussi. Voilà. Donc, je vais vous faire des swatchs. Alors, on va faire le vert. Donc, je peux vous dire qu'ils tiennent bien. Le vert avec les paillettes. Voilà. Ensuite, on va faire l'autre vert canard à côté. Voilà, j'en ai peut-être. Par contre, je n'ai pas encore essayé, donc je vous ferai un petit tuto, bien sûr, avec les quatre. Hein. Le vernis. Voilà. Le plus clair, enfin, qui fait neutre. Et la base qui est un peu, on va dire, elle est un peu blanche rosée quand même. On va la mettre là. Voilà. Bon, par contre, là, j'étais vraiment contente de découvrir ces produits-là. Bon, juste avec les doigts, je les trouve quand même un petit peu poudreux, là. J'en ai mis un petit peu partout. Peut-être le fait que j'appuie aussi avec les doigts pour faire les swatchs. Mais en tout cas, je peux vous dire que les couleurs foncées tiennent bien. J'enlève. Alors, pour vous parler plus de cette ombre à paupières, donc soyeuse et douce, effectivement, hein, quand on touche, c'est très doux, très soyeux, grâce à ces fines particules de mica au pigment micronisé. Voilà. Cette ombre à paupières procure une consistance ultra délicate et dépose parfaitement les couleurs. Donc ça, je vous en dirai plus dans un tuto. Je vais l'essayer. Spécialement conçu à la base de satin lisse, la peau limite la sécrétion de sébum pour une plus grande tenue, une plus grande intensité de la couleur et de l'ombre. Donc la base, c'est celle du milieu. Reminéralisante et longue tenue pour un maquillage parfait. Donc comme je vous ai dit, hein, palette ronde avec 4 fards plus une base. Et bonne nouvelle pour les personnes allergiques, les ombres à paupières sont complètement inodores. Donc voilà. Donc celle-ci, elle est à 6,50 €. Donc là, par contre, pour moi, ça a été sympa de découvrir parce que je l'avais mis ben, dans mon choix. Et j'ai eu au moins une petite ombre à paupières, enfin une grande même, hein, parce qu'il y en a 4 avec la base. Bon, moi, je vais pouvoir essayer. Donc voilà, alors vite fait, parce que je suis déjà à 17 minutes, dans la gamme Belle, vous allez retrouver, donc ça c'est avec mon ancien site, des vernis Fashion Color aussi, c'est des tueries. Vous allez retrouver des blushs. Je vous ai assez saoulé avec ce blush-là d'ailleurs. Hein, vous le retrouvez dans mes vidéos où c'est la teinte 55. Voilà. De Skin Pocket. Voilà. Vous allez retrouver des gloss, dont un qui est dans la gamme Royal Glam. Vous le voyez aussi dans mes tutos. Qui est la teinte 62. C'est des nudes. Vous allez retrouver le Milky Shine en 3D. Qui est la teinte 7. Vous allez retrouver donc ce rouge à lèvres là, où vous voyez aussi dans mes tutos, c'est le numéro 45. Vous allez retrouver celui-ci, c'est un contour à lèvres qui est le numéro 6. Vous le trouvez aussi dans mes tutos, c'est un marron. Vous voyez comme quoi je connais la marque Belle. Hein. Là, super, parce que ça tombe super bien, c'est un crayon. Aussi mine ou rétractable, c'est un kaki et c'est le numéro 1 où je vais pouvoir me servir justement les associés. Et là, un autre super coup de cœur, c'est les diamants Haze où ils sont vraiment géniaux. Je vous en ai parlé aussi. Celui-ci, c'est le 150. J'irai pas dire jusque c'est jusqu'à un dupe des illusions de chez Chanel parce que l'illusion de chez Chanel c'est illusion de chez Chanel. Même encore hier, j'ai mis mes doigts dedans chez Marionneau parce que j'adore ceux de PB Cosmétiques où effectivement pour moi je trouvais que ça se rapprochait, mais quand je les appliquais, je me dis ouais, bah il n'y a pas photo quoi. Chanel c'est Chanel, mais franchement, pour le prix, ils sont topissimes ceux-là de chez Belle. Hein, il n'y a pas de souci. Voyez comment je l'ai creusé celui-là,
Et tout seul ou appliqué sur un make-up, enfin, ils sont vraiment super. Ils ne filent pas dans les yeux, ils sont vraiment géniaux. Donc voilà, ça c'était avec mon ancien site. Et tous ces produits-là, vous les retrouvez sur le site maintenant aussi de Glossy Event. Donc voilà, ma revue est terminée. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, vous me les mettez en commentaire. Je vous mettrai le site en barre d'infos et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!